on va jouer alors. Voilà. Voilà. Dites-moi ce qui est apparu là, parce que moi je alors nous avons des géants ancestraux, des mi-portions aux deux héros. C'est rigolo ça. Je prendrai une demi-portion aux deux héros, s'il vous plaît. Eh bien, des squelettes bâtisseurs, des trolls fortunés et des nains des forêts. Ah. Quelle honte. Mais quelle honte. Et des tritons montés. Ah, on a des tritons montés. Donc, on peut expliquer rapidement les pouvoirs qui sont sortis, par exemple. Les géants ont un pouvoir qui leur donne un bonus d'attaque quand ils viennent des montagnes. Donc toute zone adjacente à une montagne qu'ils contrôlent, ils la conquièrent à moins un jeton. D'accord. Et ils sont ancestraux, ce qui veut dire qu'ils ont le droit à deux peuples en déclin. Parce que lorsqu'on a un peuple actif, un peuple en déclin, et que le deuxième passe en déclin, je perds totalement l'ancien qui est en déclin. D'accord. Voilà. Les mi-portions, on a vu leur pouvoir tout à l'heure. Les deux héros permettent de rajouter sur des cases qu'on contrôle deux jetons héros qui ont la même fonctionnalité que les tanières. Elles bloquent totalement l'accès à ces régions-là. D'accord. Donc, dans les faits, il y a 4 régions bloquées pour eux. Les squelettes ont un pouvoir qui leur dit que chaque fois qu'ils conquièrent deux régions non vides, ils gagnent un squelette supplémentaire. Donc c'est une tribu qui s'étend, contrairement aux autres. Elles gagnent des jetons plus 7 jours. Et ils sont bâtisseurs. À chaque tour, ils peuvent construire une forteresse qui leur donne plus en défense dans la zone et plus un point de victoire. Les trolls, quand ils conquièrent une région, ils installent une antre qui leur donne plus en défense. Une antre ? Un antre. Un antre. Je sais pas, parce que peut-être qu'un antre est déposé. Et qu'il faut utiliser une antre. Une tanière. Ouais, c'est peut-être PM. Fortuné, vous gagnez immédiatement 7 points de victoire. Les nains gagnent mais plus une un. Fois seulement. Ouais, une fois seulement. Les nains gagnent plus un dans les mines. C'est un pouvoir en plus qui reste en déclin. D'accord. Voilà. Et plus un point dans la forêt. Les tritons attaquent à moins un sur toutes les régions côtières. Et en plus de ça, aussi à moins un dans les plaines et les collines. Antoine, fais ton choix. Alors moi, je vais prendre les géants ancestraux. Là. Donc, ils sont au nombre de 11 hommes, s'il te plaît. Wow, tu fais bien la remontée de... Tu fais bien le géant ancestraux. Et nous avons des hommes rats marchands. Des quoi? Des hommes rats marchands. Ah, des hommes rats. 11 géants. Par contre, 11 géants, c'est énorme. C'est énorme. Alors, je vais arriver par un bord de plateau dans la montagne, ici. Forcément. J'écoute 3. Donc 3. Ensuite, comme je prends des régions adjacentes à une montagne, je paye un de moins en étant géant. Donc ici, j'en mets que 2. Donc la montagne, c'est plus 1 pour rentrer dedans. D'accord. Également. Qui donne un intérêt défensif important. Oui, forcément, là, il est tranquille. Là. Voilà. Voilà. Il m'en reste 3. Donc par exemple, j'en mets 2 ici. On sait qu'il est ennemi, là, je vais te dire. Ouais. Il a l'air tout frêle comme ça, mais... Et de là. Il peut maintenant répartir ses géants. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de garder... On met peut-être un peu moins en montagne parce que c'est déjà relativement bien défendu. Ouais, il va nous protéger sa forêt. Voilà, protéger ses géants, un point d'entrée. Putain, mais... Voilà. Ben forcément. On protège un peu ici et voilà. Donc maintenant, il a fini son tour. Il compte ses points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour les géants. C'est incroyable, autant de points. C'est incroyable. Ça commence bien. Je vais quand même prendre les mitas. Ça te va bien. Ouais, je sais. Et voici les sorciers du racuir. Oui. Oui. Le sorcier du racuir. 11 mi-portions. Ça fait 6 portions et demie complète. Non, ça fait 5 et demi. Je m'entraîne, hein, j'ai plus dit Hobbit. Oh, mince. Je te rappelle qu'il faut taper sur Antoine qui est en tête. Oui, 7, c'est un bon premier tour. Hein. Tu fais pas 7. À mon avis, tu fais pas 7 sur ton entrée là. Ils sont en train de te moubourrer. Certes. Le coopératif est quand même un endroit où j'ai des chances de survivre le deuxième tour. Voilà. Survivre à des géants, tu vois. Regarde, t'as 4 régions protégées, tu survives n'importe où. Hein. Bon, allez. On va rentrer là. Oh, trop facile. 2. 3. Regarde, coupe à travers là, tu vas t'en faire un peu. 3. Déchire-le, il s'est remis en même. 2. Voilà. Putain, mais pourquoi pas celui-là aussi? Non, d'ailleurs, non. Ouais, enfin, non. T'as peur, il est faible, il a des bras, on dirait des bras. Donc ça disparaît. Oui. Ça disparaît. Ah. Donc tu peux déployer maintenant tes deux tanières qui vont là et là, ces deux premières régions que tu as, dans lesquelles tu es arrivé. Ah, c'est dans les deux premières régions. C'est, voilà. Et maintenant tu peux mettre les héros sur les autres régions. Ok. Voilà. Donc là c'est blindé. Hein. C'est blindé. Allez, on va prendre les squelettes. Allez, les squelettes. Maintenant. Je te laisse, oui. J'adore faire ça. Mille excuses. Et nous avons des Amazones pillards. Mmh. 3 pour entrer. Ouais. Donc t'as intérêt à taper des... Bah voilà, je vais faire ça, je vais en mettre donc 3 ici. Mettre 3 là, donc je suis obligé d'en mettre 3, hein. J'ai pas le choix, hein. On est bien d'accord. Tu attaques vide à 2, et tu retentes ici une dernière conquête en entrant. Je vais mettre le dé, c'est parti. Avec la chance que t'as au dé, généralement. Et voilà. T'es un peu cassé, non? Non, pas du tout. Donc ça, et ça. Ça mourut, et donc t'as droit à un squelette en plus, que tu redéploies immédiatement. Et en plus de ça, t'as droit à une forteresse que tu déploies dans une région que tu contrôles aussi. Tricheur.
Où est-ce qu'ils peuvent m'attaquer tous ces enfoirés? Partout. Près de la... Partout. Voilà. Tu mets tes squelettes par-dessus. Et donc là, tu as donc 1, 2, 3, 4 régions, plus 1 pour la forteresse. 5 points de victoire pour moi. J'ai fini mon tour. Bon, je crois que je vais prendre les trolls fortes. Donc. Et la machine a remonté. Les trolls, c'était. Et nous avons les zombies armés. Les zombies. Je répète, les zombies armés. Les nains des forêts. C'est ridicule, il est hors de question que je prenne ce truc. Hein. Car faut pas avoir d'amour propre hein, pour avoir des nains des forêts. Donc je vais jouer ouais, avec. Les tritons montés. C'est très bien ça, les tritons montés. Je joue avec 9 trolls, donc je vais rentrer ici qu'est-ce, pour 3 trolls. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder dans mon coin, toi? C'est pas ton coin, c'est juste entre les deux. Regarde, c'est entre Vincent et chez toi. J'en ai de personne. 2 trolls ici. 3 trolls ici. Attends, pourquoi je suis pas sur les et ici, je tente. Il va rater. Allez, allez, allez. Ah, et là. C'est raté. Ça, ah, il fallait deux. Voilà. Et donc je construis une antre. Un antre. Bon, nous disons que la région Nord est à nous. Voilà, c'est conquis. Bon, bah j'arrive, c'est et je gagne. 1, 2, 3. C'est vide là. 10 points. Mais une fois. Mais une fois, c'est-à-dire que ça, hop. Ah, et on disait un tour à 7 points. Mais ouais. c'est qu'une fois, tu vois. C'est aussi, c'était qu'une fois. Pour l'instant. Pour l'instant. Bon, moi, les nains des forêts. Je trouve que c'est kéké. Oui, tu as raison. Je trouve que c'est kéké. D'accord. Mais par contre, les tritons montés. Ça me parle. Donc, t'as un droit à 11. Alors, les tritons, ils ont moins 1. Pour les oh, des œufs diplomates. Des œufs diplomates. Comme c'est bon. C'est ridicule. Il y a la petite colombe. Même pour le petit neuf poulet tous les. Alors, si j'ai bien compris, j'ai moins 1 en plaine. Moins 1 en. En bord de mer et moins 1 en colline. J'ai moins 1 quasi partout. C'est ça. Et des fois, donc, t'as moins deux, tu peux taper sur la tête à la fin comme ça. Arrête, j'ai rien fait. Ah si, tu t'es mis devant chez lui. Je me suis mis devant chez lui. T'es juste devant chez lui. Tais-toi. Alors, bah oui, c'est chez moi. Hein? Là, il attaque à moins 1. Elle est en bord de mer aussi. Elle est en bord de mer, donc j'ai le droit qu'il y a. Elle est bord de cette mer. C'est monstrueux comme coup. Arrête. Alors, par contre, il va tellement être. Elle est bien, voilà. Tu vas pouvoir lui taper dessus, mais alors avec plaisir. Non, c'est mon ami de 30 ans, je vais te dire, je le respecte. C'est pas comme le petit Antoine tout seul. C'est dans une plaine. Ça fait moins 2 plus 2, ça fait 2, hein. Ça fait 2. Et pendant ce temps, l'autre, regarde. Hé, hey, c'est chez moi. C'est ça. Ton ami de 30 ans, tu sais, c'est ton ami de 30 ans. Foiré. C'était chez toi. Y a rien là. Ben oui, mais justement, c'est moins drôle. Et là. Voilà. Ok, donc là. Il a déjà son pleine part. Enlevé. Là-bas. Enlevé. Oh, le coup de tueur. Là, t'as enlevé. Donc celui-là est. C'est les mauvais. C'est les sacs d'os là. C'est ça, parce que celui-là il meurt. Et celui-là, tu le redéploies immédiatement. Je redéploie. Qu'est-ce que tu dis? Je t'en veux. Et donc, mob, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 8 points. Oh, c'est pas si terrible que ça. Hein. Qui a pensé on a un nouvel ennemi. Attends, 8. Il est marin. 8. Ça va pas du tout. Voilà. 8. Donc là, on a fait un tour complet de jeu. On entame le deuxième tour. C'est à toi. Et Antoine, on joue avec ces géants ancestraux, à moins qu'ils ne veuillent décliner. Donc je reprends mes pions en main, et j'ai le droit d'abandonner des régions, d'ailleurs, si je voulais aller plus loin, mais je vais pas t'as le droit de laisser vide. Mais... Donc je vais aller ici. Ouh, ça sent le triton gris. Ouh là là. Oh, le triton gris. Oh, la brochette de poisson. Écrasé. Écrasé. Comme ça, sans le souche. Le triton émietté. Comme ça. Ici. Oh, oh. Fais le triton. Mais alors donc, tu es méchant. Tu peux te réparer. On te l'a dit d'entrée. Tu peux te redéployer. Je t'ai dit, va le taper, tu m'as pas écouté en même temps. T'as préféré briser les tétons. Je vais rester comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah voilà. Tu en as. Moi. Oui, c'est à moi. C'est énorme. J'ai gardé mes hobbits. C'est pas beaucoup, 8 points. Pas sur le coup, parce qu'après je vais me répondre sur sa race là-bas. Oui, mais il va descendre de la montagne, sinon je le déteste. Ouais, tu peux.
quoi les hommes rats marchands? C'est quoi le... Alors, les hommes rats marchands, ils n'ont pas de pouvoir spécifique, à leur, de capacité spécifique par rapport à leur peuple, parce qu'ils ont déjà 8, ce qui est énorme. Oui, oui. Et marchands, plus un par case que tu, plus un point de victoire par case que tu contrôles. Donc tu doubles les points de victoire par, ah, c'est par énorme. Territoire. C'est énorme. C'est ah, les hommes rats marchands, c'est énorme. C'est voilà. Ah, mais 10 rats marchands. Ah, bah oui, voilà. Forcément. Oh, la combo qui c'est tue, quoi. C'est ça. Allez, moi je décline. Allez, un déclin. D'accord. Bah alors. Mais alors, faut payer au prochain. Non, alors tu payeras. Ta race, tu payeras ton peuple, tu l'auras pour l'instant. Ta race. Ta race. Et je marque. Ça, tu le perds. Je perds. Tu perds tous tes tritons sauf un par case. Ouais. Tu resteras donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Voilà. Et je peux pas acheter la race tout de suite. Non. Également décliné. Voilà, ça décline. Des fois, direction en chaîne de déclin. Notez que je conserve ce pouvoir parce que c'est ancestraux. Donc il y a aussi un dessin à l'arrière. C'est le fameux « Par le pouvoir ancestral ah, !» Il y a crâne, il y a crâne. Hop, 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 c'est déposé. On les retourne pour montrer qu'il est aussi passé en déclin. Et tant qu'elles sont là sur la case, tu marqueras des points. Tu marques des points, voilà. T'es en grange de brousouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui est bien pour un tour en déclin, 8. Bah, je veux, mon ah, oui. Merci. Si vous prenez l'émission en cours, là, on est effectivement au troisième tour. Falloir... Et non, ça décline parce que... fort maintenant. Yes, yes. Dans ta face. Bien joué. La face de bien lancé. Ça bat la mienne en général. Hein. Donc là, nous avons deux tritons. Un métier de 30 ans, il voilà. A lancé. Donc ça veut dire que je. Un squelette de 30 ans, t'en bouffes, hein, je vais te dire des. Je voudrais des maisons là. Oh, c'est rien, c'est bon. Bah, moi j'ai pas dégénéré, moi j'ai pas deux peuples. Adrien, il va décliner. Alors fais gaffe à tes mouvements parce que je peux très bien dire que ce jeu est une bouse hein, si tu m'attaques. Mais non, tu diras pas ça. Mais non. T'es un peu trop loin. Non, je vais continuer dans le 3 avec des géants. Ouais, ouais. Je vais faire ça. Voyou. Et je tentais ça. C'est un peu chez moi là, tu sais. Mais non, c'est ma montagne. Il a raté. Non, mais je te laisse le nord, moi je descends au sud, moi. Ah, 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 la chance me sourit. Il joue bien, quoi. Ouais, t'as vu. Maintenant que c'est à toi de jouer, je vais faire un petit point sur les nouveaux pouvoirs qui sont arrivés. Il y a le sorcier. Donc, les sorciers du racuir. Les sorciers peuvent convertir des pions adverses. Donc ils convertissent des pions adjacents. Il suffit qu'il soit seul dans leur territoire, qu'il soit adjacent à leur territoire, tu peux le convertir. Donc tu l'enlèves et tu le remplaces par un nouveau sorcier. Dur à cuire, ça veut dire que tu passes en déclin le même tour que ton expansion. Donc tu fais une phase d'expansion classique, de conquête, et à la fin du tour, tu peux passer en déclin. Les Amazones bénéficient de plus 4 quand elles attaquent. Mais par contre, à la fin de leur phase de conquête, elles reprennent 4 pions, les gardent à côté du plateau, et ne peuvent plus servir en défense. Elles vont revenir après le tour d'après. Et elles sont pillards. Lorsqu'elles attaquent une région, lorsqu'elles vident une région en faisant une conquête, elles gagnent un point de victoire supplémentaire. Quand ils passent en déclin, ils gardent tout leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ils continuent à jouer normalement. Ouf. Donc ils gardent tous leurs jetons, ils n'en perdent pas, et ils continuent à pouvoir s'étendre et se développer. Ils sont armés, ils ont besoin de moins un pion pour attaquer toutes les régions. D'accord. Les elfes diplomates. C'est nul. Bon, on n'en parle pas, ça sert à rien. C'est monstrueux. Comment tu vas pouvoir taper du troll? Tu veux dire que tu fais la paix avec quelqu'un au-dessus du plateau, tu dis voilà, on est en paix, il ne peut pas t'attaquer. Les hommes rats marchands. Donc les hommes rats. Les humains volants. Hé, c'est Superman qui arrive. Nous avons les humains volants. On grignote. Là, on grignote, là. Ma parole. Donc t'es grignoté là un petit peu. Ah, ça suffit. Mais non, c'est ridicule. Mais non, c'est pas. Je suis obligé de décliner. Et là, on va essayer. Alors. Ah, c'est dur, mais de toute façon, je peux que tenter. Hein. Quelle horreur. Je ne peux que tenter. Moi, je vais le dire. Des rats. Non, personne ne sait ça. On va mettre un rat. Le rat. T'as raté. Le rat. Là. Oui, c'est mieux. Il était gratuit. Bon. On va redisposer peut-être. Vas-y, là, on laisse à l'entrée. Ici, ça craint pas trop. Mais ici, ça craint. Voilà. Donc, on compte les points. Vas-y. Triton plus rat. Oui. Donc, 1, 2, 3 rats. Ça, c'est minable. Hein. Oui. Mais plus 1, ça fait 6 rats. Exactement. 7, 8, 9, 10. Alors, et 10 rats, c'était énorme. C'est super minable. C'est assez minable. J'aime bien ta notion du minable. Oui. Les Amazones qui a. Payé. Je sais.
Alors vous voyez, Fall, dès qu'il perd, il se barre et il va pleurer. Voilà. Je voudrais 15 Amazones. 15 Amazones. 15 Amazones. 15 Amazones arrivent sur le plateau quand même. Amazon, c'est pas déposé ça? Qu'est-ce qu'il fait? Je fais des gros plans. Tu immortalises ta défaite? Alors puisque personne ne s'occupe des trolls, je vais y aller. Non, non, non. Bah si. Non, mais non. Ils sont en paix, ils ont rien fait ces trolls-là. Ils t'embêtent personne. L'entente est bonne chez Dave. Ils s'entendent bien là-bas. Bah t'appelles les hobbits, hein. Ils font des points, je fais pas de points moi. Je fais pas de points. Mais c'est bien triste. Je fais pas de points. Tu m'envoies navré. J'aime pas les trolls, c'est viscéral. T'es sympa les trolls. Non, 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 c'est trop cher. 5. 4, 5. Ah bah oui, c'est cher, hein. Fais pas de blettes sans casser deux ou deux trolls. Ici. Et ici avec un dé. Faut pas laisser faire les Amazones, hein. Un peu de chance. Oui. Oh là là. Putain, mais en plus, c'est de la moule chez les Amazones. Ils sont plus, ils sont plus des forêts, les nains, là. Ils sont proxénètes avec tout le fric qu'ils se font. Alors, c'est ça, quoi, c'est mort. Ça, c'est mort. J'ai pas suivi, mais ça a l'air violent, là, tous ces vers qui apparaissent. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas chez nous, on s'en fout. Par contre, c'est chez moi. Moi, j'en fous pas. Je les vois arriver, les petites Amazones, non? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Plus 4. 6, 7, 8, 9. Plus 10, 11, 12, 13, 14. 14. Arrêtez-le, 14, c'était 14.